Bilakay. Bonjour, bien bonsoir, ça dépend de l'heure que vous pourrez regarder vidéo ça. Non pas moi, c'est Lambi Lakay. Ben, à 10 000 merci à chaque grand monde qui déjà rentré dans la famille ça. Ou même qui déjà fait partie des familles Lambi Lakay. Et bien, nous disons 1000 merci pour ça. Alors, ou même qui vous fait ça, n'a pas cliquer sur le bouton s'abonner en kounien et puis activer la cloche de notification. Comme ça, vous faites partie des familles ça. Comme ça, vous pouvez aider nous à avancer et vous pouvez aider nous à grandir. Parce que nous ne pouvons pas faire round pod, si que ou pas déjà rentré, si que ou pas partager ça que ça ne fait, si que ou pas like ou pas commenter, ben n'a pas nous pas même gain encouragement continuer faire vidéo pour vous. Et nous car remarquer Lambi Lakay nous parler de culture pas nous et Chinmailan, et bien c'est nous lié, ok. Et bien qui ça nous porte pour dans tout le monde qui connaît BS dans les années 2000, ben BS c'était maître et c'était toujours comme ça que le domaine animation, c'était lui-même qui était géré. Et nous avons dit c'est une légende dans ça que l'animation radio. Et c'est un nègre qui fait un pile jeune. C'est un nègre qui était inspiré un pile jeune pour entrer dans le domaine ça, qui c'est domaine animation radio, hein, fait émission dans radio. Et bien, grand pile jeune, c'est BS qui est à suivre. C'est BS qui fait un pile jeune entrer dans l'école communication. Hein, entrer dans le journalisme, à apprendre, faire sacré les animations radio. Eh bien, monsieur ça, qui pété couille ensemble avec Arlie Larivière. Côté que lui traiter Arlie Larivière de con, lui traiter Arlie Larivière de bandit, lui traiter Arlie Larivière de ingrat. Pour qui raison? Parce que Arlie Larivière, le 1er janvier, eh bien, Arlie Larivière lui-même, lui passé, lui était de passage à Montréal, eh bien, lui pas même prend téléphone pour le souhaiter BS qui s'est baron samedi, une bonne année. Eh bien, BS trouvé ça, c'est une ingratitude liée à Arlie Larivière parce qu'il fait un pile bagaille pour New Look ensemble avec Arlie. Alors, bien rapide, n'a passé dans la déclaration BS là, et puis, ou même, ou à nous avis par, et puis, n'a retourné après. Il s'appelle Arlie Larivière, ce con actuel qui a fait son passage un 1er janvier au Canada. C'est grave, c'est dur. Il y en a qui vont dire, est-ce que BS était obligé de faire ce rappel? Mais des fois, ça prend absolument le temps de faire le rappel. C'est comme vivre avec le monde, mais le monde qui cherche rien que le ça va. Arlie Larivière, le fils de Daniel, de passage à Montréal, un 1er janvier, sans prendre son téléphone pour donner un coup de fil à Baron samedi. Arlie Larivière. Mais quel monde, hein? Quel monde, Arlie. Hein, Arlie Larivière, quel monde, qu'est-ce que tu fais de toi? Un 1er janvier, tu arrives ici au Canada et tu n'as pas donné un coup de fil à BS. Arlie Larivière. Qui l'aurait dit et qui l'aurait cru? Ça fait ça qu'on vit aujourd'hui, mais pas prend ça, qui pas prend temps pour comprendre que le monde est ingrat. Mais moi, j'ai le moral au beau fixe. Les deux pieds sur terre, je continue de respirer parce que j'ai l'alimentation de la puissance d'en haut. Et cette puissance d'en haut me dit quoi? Laisse faire et le vent continue de franchir son petit chemin jusqu'à l'arrêt du souffle de certains d'entre eux. Ben oui, c'est comme ça que BS lui-même l'était la gueule sans filtre. Eh bien, nous-mêmes qui prenons regarder vidéo ça, ou même qui c'est fanatique compas direct, ou même qui c'est fanatique Arlie Larivière, ou même qui c'est fanatique musique haïtienne, ou même qui c'est fanatique BS. Alors, m'attend nous dans espace commentaire là pour dire comment comprendre déclaration BS là. Et est-ce que ouais, et dans Arlie, on est qui ingrat vraiment? Ou du moins, est-ce qu'il est d'accord avec Jean B.S. Laguille? Eh bien, c'était Lambi Lakay. Nous allons, nous bon rendez-vous pour une autre vidéo encore, sur, toujours sur même channel. Ça. Alors, même qui vous fait ça, Abdou pressé, rentrer dans la famille, pour ne pas perdre rien dans ce qui nous a apporté. Pas oublier, Lambi Lakay, nous sommes Etienne Maïla. Et puis, bon, on allait. C'était